Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Ouais. Bon, c'est vrai que c'est un sketch, hein. Mais moi, je vous préviens en même temps. Tous ceux qui ont les bedous, les portables, veuillez les mettre en lieu sûr, quoi. Parce que où je suis là, je vais trop si. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Pour vous qui ne connaissez pas, moi, il m'appelle Jackis. Voilà. Mais je vous dis la vérité, il est changé. Parce que Dieu merci. Ah, tiré à mes lèques, quoi. Ouais, c'est ça, hein. J'ai pris ça un vendredi à 5h du matin à la mosquée. Non, il n'y a pas eu le temps de savoir si c'est quel qui est bon ou bien truc. Moi, il prendra la nuit, c'est la nuit. Oh. Il prendra ses blancs noirs, mais ça marche quand même. Voilà. Voilà. Mais moi, je suis un ancien. Dieu merci, le gouvernement, ils ont créé un mouvement pour les. Bon, les enfants ont conflit la loi, quoi. Vous les connaissez. Voilà, comme moi, si quelqu'un il me débrouille, il ne gagne pas d'abou, il ne gagne pas l'argent pour manger. Donc, moi, je me suis mis dedans comme un ancien, quoi. Donc, ça, on allait faire les formations, les sorties, tout ça. Maintenant, moi, je vais chercher le travail. Il arrive là-bas, la femme là me regarde et puis elle me dit non, et ton CV. Elle dit la même, CV. C'est quoi qui est CV? Elle dit c'est ton curriculum vitae. Moi, mais il a attrapé son papier, il dit la même, toi-même, tu ne mérites pas de t'asseoir ici. Hein. Et toi, tu es assis ici, tu es secrétaire, tu ne sais pas lire. C'est écrit ici curriculum vitae. Voilà. Mais ils ne savent pas lire. C'est après, il m'a dit non, c'est quoi on écrit, mais c'est comme ça, on lit. Il y a un d'accord avec. Alors, on m'a demandé est-ce que tu as ta lettre de motivation? Et il avait demandé tu ne me connais pas. Hein? Moi, j'habite à Bobo PK18. Il est dépassé à Bobo derrière rail. Il est dépassé à Bobo Samaké. Il est dépassé la gendarmerie, la mairie, tout ça. Je suis passé par Djamé, Liberté. 13 villes. Avant maintenant, je suis retenu au plateau. Là, mais elle, tout ce qu'elle fait là. Tu vois pas que moi. Je suis motivé. Je suis motivé. Moi, je suis mal motivé. Mais je sais pas, c'est passé. Oh, le gouvernement a sciencé. D'ailleurs, même, je salue le gouvernement pour ce qu'ils ont fait pour nous. Oh, du moins, ils travaillent un peu. Mais, arrivé un moment, il y a des gens qui sont venus m'évangéliser. On est allé à l'église. Premier jour, je rentre dans l'église. Il y a la sœur de Jésus-Christ. Les sœurs de Jésus là. En vrai, les sœurs en Christ. Il y a une qui me regarde quand elle me dit, mon frère, est-ce que tu as la foi? Et il avait mais si c'est la foi, là, ne faut pas t'inquiéter, voilà un vrai enfoiré devant toi. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans l'église. Vous connaissez à l'église, hein? Le Notre Père qui est au cieux. Que ton nom soit sanctifié. Yeah. Que ton règne. Yeah. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Yeah. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. C'est bon, moi dans toute prière là, c'est donne-nous notre pain de ce jour-là. C'est ça qui m'a faim. Moi, je dis Seigneur, c'est pas on. Par exemple, tu as dit donne-nous notre pain de ce jour-là. Si tu as donné pain à Wallah, il blâme, moi, fais ton atalakou. Effectivement, le Seigneur a opéré le miracle. On a applaudi pour ça. Il m'a dit 10 pains. Mardi, il m'a dit 10 pains. Mercredi, il m'a dit 10 pains. Jeudi encore, il m'a dit 10 pains. Donc, arrivé un moment, non. Moi, j'allais voir le pasteur. Il dit excuse-moi, hein. Comme de toi, tu coumets le Seigneur à moi. Est-ce que tu veux pas voir si je peux essayer d'équilibrer l'alimentation? Elle est pas mal, ça. Elle est pas mal, ça. Elle est pas mal, ça. Voilà, il est 10 pains tous les jours, ça peut donner coco. Comme les hamburgers, les shawarma. Mais s'il n'a pas eu tout ça, qu'il a mis garbo à sa fée à faire. Voilà mon témoin. Merci. Je suis prêt pour vous, je suis prêt pour mon ensemble.